La pause. Depuis lundi dernier, on se disait, mais quand est-ce qu'on va arriver à ce dernier jour de la semaine? Dernier jour pour ceux qui travaillent, naturellement. Parce que pour les autres qui sont à la maison, ça reste un jour normal. Mais pour nous, ici, c'est la dernière émission de la semaine et on espère que vous êtes contents de nous retrouver. Nous sommes très fiers de vous avoir avec nous. Et naturellement, les vendredis, on s'amuse, on rigole, on danse, on chante, mais surtout, on se lâche. Manouille. Oh, c'est avec Manou, ça, on va se lâcher. Manou, je vais bientôt réveiller. Manou, c'est avec ça, on va se lâcher. Hein? C'est maintenant, il vient un peu. Yo, yo. Oh, Manou. Je suis plus chaud que ça. Manou, c'est... Manou, là, nous pouvons aller. Mon unique idéal, tiens-moi ça s'il te plaît. Des fois, les gens, ils ont besoin qu'on les punisse un peu. Yo, 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 yo. Descends, suis-moi. Allez, on passe devant maintenant. On passe devant. Merci. Tu te mets ici. Mets-toi là, s'il te plaît. Il fait quoi? Au piqué. 45 pompes. Merci. Bien. Manou, j'ai pris ta place. M'entends, en bilan, tu lui donnes combien? Tu connais les exercices là, non? Après les pompes. C'est ça, regarde, monsieur. Comme ça. Oh. Il fait combien pour toi? 50. Ah, ben voilà. Lady Shams. On va dégraisser les choses. Vite, Lady Shams. Non, c'est déjà assez chaud. Oh. Ça, ça marche pas, s'il te plaît. Ça marche pas. Bien. Manou, tu vois comment je joue bien plus que toi, non? Ah, non, 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 non. Manou, toi-même, c'est quoi ta sentence? Décide. J'ai pas de micro. Non, c'est pas grave. Il faut micro, mais il n'y a pas de problème. C'est quoi ta sentence, Manou, par moi? Je te donne le micro, tiens. Oui, si. Uh-huh. Voilà, bah oui, il faut. Comment uh-huh. Voilà, voilà. La vie même, hein. Ben, que les téléspectateurs disent ce qu'ils veulent que je fasse.
passe pour eux et puis je le ferai. Donne-moi le mien. Alors, je vais en vertu. En vertu. Manu, reste tranquille. Manu, reste. C'est pas toi qui décide. Non. Bah, on t'a donné, Manu, va pas jouer au piano. Tu ne fais pas ça. En vertu, s'il vous plaît. Que mon peuple m'accompagne. Okay. En vertu qui me sont conférés. En vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés par les téléspectateurs. Ouais. Tu capes. Qui pompe 20 pompes. Et 4 pompes. Qu'est-ce qu'on dit? Les taux. Non, 4 piquets. Ah, oui, voilà. Et les pompes. Oui, c'est ça. Tu peux pomper 20 pompes. Il voilà, faut casser. Comme le magouya. Manu, 20. Tu casses 20. C'est rien du tout. Encouragez Manu, s'il vous plaît. Manu. Manu, pour me montrer, je vais jouer sur tes pompes. Manu, on a une chanson même pour toi. Vendredi soir, mille droits. Vendredi soir, mille droits. Il faut me donner le truc là. Je ne sais même pas comment jouer. Manu, on y va quand là? Ok. On attend que toi. Manu, c'est comment même tu tiens la guitare? Je n'arrive pas. Hein. Vendredi soir, mille droits. Là où les biens, je cite. Oh. 16. Non, Manu, vous venez de toi, pardon. Bravo, Manu. Non, sérieusement, je t'assure, je te dis, je ne pourrais même pas faire ça. Je suis bluffée, mais je t'assure. Sérieusement. Attends, mais... Bravo, Manu. Manu, maintenant, comment tu joues? Manu, attends, j'ai un truc pour toi. Est-ce que Dave peut relever le défi? Parce qu'aujourd'hui, dans cette émission, on a plein de grands gaillards. Juste... Ouais. Mais le tout n'est pas de dire qu'on est les de gaillards, grands joueurs d'instruments. Voilà. Parce qu'on a vu Manu, c'est un grand joueur de guitare. Il est musicien, artiste, arrangeur. Je l'ai détrôné, hein. Si vous voulez. Mais il est également grand casseur de pompes. Dave. Je suis d'accord pour s'il te plaît, avec un gros poids assis sur lui. Merci beaucoup. Les poids là-même. Il est où, Dave? Depuis que je t'appelle, tu sautes de ce poids-là. Viens ici. Si. Yeah. Applaudissez Dave, s'il vous plaît. Manu, bonjour, faut Dave. Bonjour, ça va? Bien, alors viens ici. On va faire autre chose que ce que tu sais faire avec le piano. Hein? Ok. Manu, d'abord, pourquoi Dave, il est là aujourd'hui? Faut du tout pas accepter ce qu'on va te dire là. Hein. Manu, pourquoi il est là aujourd'hui? Il est avec Eric Ask. Eric aussi va faire ses pompes. Ouais. D'accord, ils ont fait une collaboration. Le titre, c'est Amen. Uh-huh. Et ils vont nous faire découvrir son live dans cette émission. Ok, d'accord. Voilà. Bien. Alors, c'est l'instant découverte. C'est ce que nous, on veut découvrir. La musique, regarde ça d'abord. Il s'appelle Eric. Hein? Eric Ask. Eric Ask, ask you to come here right now. Bien, c'est. You come here. Échauffement, parce que ça va être chaud. Hein. En plus, lui, il est bien paré là. Oh, ah ouais, hein. On se met ici. Bien. Dave, bonjour. Ah, mais c'est lui le pianiste. Comment ça va? Ah, oui, ça va super bien. OK, d'accord. Je prends le micro. Tout ce que tu as dit, tu viens de finir. De dire. Bonjour. Bonjour. Mais c'est lui qui a une voix. Ah bon? Ah oui. Ouais. Adorami. Eh, c'est lui? Non. Lui, c'est Amen. Et lui, il avait aussi une... C'est la voix. On veut entendre quelque chose. Essaye voir un peu. Ça peut te sauver la vie. Hein. OK. Megana Majo, Alexi Meval. Megana Majo, Alexi Meval. Megana Majo, Alexi Meval. Megana Majo, Alexi Meval. Ela be wonya nyanya tepe. Amen. Wonya nyanya tepe la. Amen. Wonya nyanya tepe la. Amen. Wonya nyanya tepe la. Amen.
harceler les gens. Mais vraiment, mais ce nom, c'est Ask a Question, non? Eric something like that. Ah, Eric Ask. Uh-huh. OK, bien, c'est bien. Eh bien, il y a ceci. Il y a ceci. Donc, Dave, combien de... Dave, tu es sûr d'aller à Terre? Comme il est costaud, je ne suis pas encore d'accord pour ça. Non, mais le truc, c'est que ce n'est pas toi qui choisis, en fait. D'accord ou pas, tout le monde fait le matin au réveil. On prend du café ou du bon smoothie. Health smoothie, s'il vous plaît. Health smoothie, hein? Attention, health smoothie, boisson naturelle à base de fruits. Très important. Le numéro de téléphone pour commander? Le 80 combien? J'ai jamais été le responsable communication. Le chargé à la com. 34-33. Merci beaucoup, c'est ça. Merci infiniment. Bien. Alors, je vous dis ce qu'on fait le matin. Quand on se réveille, on prend avant le bon petit déjeuner, on se réveille. On réveille le corps qu'on a. Vous voyez ce que Dieu vous a donné. Quelqu'un a crié alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez ce beau corps-là. Il faut l'entretenir pour devenir ça. Mais bon, en moins court, en moins long. Vous voyez. Voilà, exactement. Donc, on va faire de l'échauffement. On leur donne combien? 10. L'Unis national, international. Non, mais 10, c'est trop. 5. 5 alors. Toi, tu peux faire 50. Est-ce que je peux militer en 50? Il y a un iPhone 12. Voilà, Zina. Je n'aime pas les militaires. Non. Bon, on va prendre le chiffre de la perfection. 7. Voilà, 7. 7. 7. Non, juste le dire. Il y a de belles prunelles qui nous regardent à la maison, quand même. Eh bien, on va lui donner, pourquoi pas, 77. 77. Le double de la perfection, mais 7. Mary Sharps. 777. Ah, quand il était ici, il de Manu, tu as dit non, on va lui donner. Oui, c'est ça. OK. Bon, Dave, toi-même, tu peux choisir. Coupe la poire en deux. On a dit 15, on a dit 5, on a dit 10, on a dit 17. Coupe la poire en deux. Je crois que je peux faire 5 au moins. Ah. OK. 5. Tonton Eric, ask the question. How much? Aïla! Le rôle de son père! On y va! Je vais décider! Hein. On va partir pour 1, 2, 3, 4, 5, et c'est parti! 6, 7, 8, 9, 10. Merci! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mais bizarrement, Dave a pris goût. Non, hein. Vous allez voir comment vous-même vous allez chanter et jouer. Non, mais parce qu'il doutait de lui-même. Maintenant, je veux bien que, s'il vous plaît, un doyen en sport, lui. Merci, Océane. Oh. Un doyen en sport, lui, il a été grand footballeur de ce pays. Il a représenté le Togo sur les terrains, sauf qu'il n'est pas allé à l'international. C'est pas grave. Il s'appelle menteur ambulant. Oh! 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 Nous sommes très fiers. Alors, Dave, Eric, je vais vous prendre le micro, s'il vous plaît, garçons. On les applaudit, on les raccompagne. Bravo, on les retrouve tout à l'heure dans une belle découverte musicale. Mais on reste avec Menteur Ambulant, s'il vous plaît. Menteur Ambulant, nous t'aimons, n'est-ce pas? Ah oui, me too. Bien. Et tu sais à quel point nous sommes fiers de toi. C'est ma peau. Et ce n'est pas l'occasion de nous mettre la honte devant le peuple tout entier. Qu'est-ce que le peuple demande? Le peuple demande 15 pompes. Yeah, yeah, yeah. C'est menteur, c'est menteur, c'est menteur, c'est menteur. Hey, hey. Yo, 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 c'est menteur. Bloqué, j'ai pas d'assurance vie. Hein. Vous êtes sûr? Nous allons prier pour vous pendant la séance de pompes. Voilà. Au moins la calebasse est assurée.
Très bas. Yo, yo, yo. Apporte, apporte. C'est menteur. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. C'est menteur. Yeah. Il se donne de la force. Yo, 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 yo. C'est menteur. Qu'est-ce que le gant a à voir avec? Je vous explique. La senza, pourquoi pas? En fait, il faut le serveur. Et ma connexion. Voilà. Yo, yo, yo. Ça, c'est le routeur même. Oui, il y a guerre. C'est le routeur. La senza également. On va y arriver. C'est le routeur. Yo, yo. C'est menteur. Menteur, 15 pompes. On commence maintenant. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. C'est menteur. C'est menteur, c'est menteur, c'est menteur. Yo, yo, yo. C'est menteur. À cette allure, à cette allure, je pense que tous les objets de la pause vont se rouler. Yo, yo, c'est ma terre. On va casser les pompes. Tiens, là. Tiens, le sac, c'est le sac, c'est le sac vital. Ah, ouais, ouais, non, non, non. Il va donner le sac, non. Non, non. Yo, yo, yo. Menteur, sérieusement, tout le peuple est en train de te regarder, là. Et tu vois la manière dont tu manies les mots avec tendresse et intelligence. Justement, avec magnanimité. C'est de cette même manière qu'on t'a vu manier tes jambes et bras sur les terrains dans ce pays pour représenter le Togo. Odi Benamaka, c'est pour Nyamado. Odi Benamaka, c'est pour Nyamado. Nyamado. Odi Benamaka, c'est pour Nyamado. Nyamado. Mantoneka, c'est pour Nyamado. Nyamado. Milado, Milado, Milado. E noi ti supongo a Milado. Milado, Milado, Milado. Poppa ne ti supongo a Milado. Milado, Milado, Milado. Poppa ne ti supongo a Milado. Milado, Milado, Milado. Milado, Milado, Milado. Poppa ne ti supongo a Milado. Milado, Milado, Milado. Milado, Milado, Milado. Milado, Milado. Pardon, pardon. C'est bon, maintenant tu peux te lever. Oui, c'est bon. 120, 130, 150, 200. Champion. Félicitations. Yo, yo, yo. C'est ma pendule. Eh bah, eh bah. Yo, yo, yo. C'est ma pendule. Yo, 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 c'est mon talo. Ça, c'est quel spectacle encore? Oh là là. Ça n'a pas été facile. J'étais en communion avec les entités de la terre. Ils ont un message pour vous. Ndo le amigba, no dona me. Ndo le amigba, no dona me. En fait, amigba, elle est bon. Elle est bon. Elle est bon. On le sait. On le sait. Odo, elle est bon. On le sait. Si présente en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Ma nature me fait mal. Rancœur, tu t'empares de mon cœur. Le sourire fume mes lèvres en pleurs. Ouvre ma vie si pâle. Si on te demande tout à coup de pomper, alors s'efface les songes. Les jours se font. Les soins sont mensonges. Sur la terre, la vie semble éternelle inquiétude. Aux épreuves rongeant la plénitude. Sombre, atonie des heures solitude. Dévorant mon être de son incertitude. Oui, j'ai rendu l'âme, j'ai perdu mon âme. Hey. Oui. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. C'est la pose. Président,
Parce que ça vient comme ça. J'ai pas décidé. Il ne peut pas couper. Merci voilà. Beaucoup. Bien. Bonjour les Richards. C'est froid, c'est froid, c'est froid. La vie continue. Non, mais pourquoi tu lui as sauvé la vie? Non, je ne vais pas sauver la vie. Mais c'est froid, c'est froid. Comme ça, on allait la réveiller. On est bon, les gens ici dans cette émission. C'est quoi votre discipline sportive préférée? Sauter à la corde. Sauter à la corde. Mais il n'y a pas de corde. C'est qu'il n'y a pas de corde ici. Comment il n'y a pas de corde? Elle va sauter une corde. Attends, il y a un fil électrique. Non, non, non. Elle va sauter. On n'a pas la corde, mais on peut sauter, madame. On passe devant. Merci beaucoup. Si vous faites la danse aussi, la danse aussi, c'est du sport. Lady, passe devant. Lady, Et tu sais ce qui se passe? L'INUS national, international, interplanétaire, intergalactique, intergénérationnel, je voulais juste te dire qu'elle est comme tu elle a dit, elle est animée. Donc, elle ne peut pas le faire. Mais comme toi, tu es très généreuse, tu vas prendre sa part pour ajouter une surprise. Et on sent l'eau déco. Ah, oh. Et Namidjo, les 10, Diva et 50. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Bon, mais c'est les noirs. Donc maintenant, si tu ne veux pas faire les 50, tu peux négocier à la baisse. Négocier en invitant deux charmantes dames qui vont partager ça avec toi. Vie. Ah oui. Tu peux donner la main à qui tu veux dans le studio. Regarde qui est ton ennemi. À qui bah, pas seulement les dames. Le monsieur roi. Warren, oh, je suis tellement contente, Lady, Lady Shams, que Dieu te bénisse pour cette. Bonjour, bienvenue. Monsieur. Bonjour, Océane. Ça va très bien? Oui, je vais bien. Voilà, donc on a eu les chanteurs, ils ont cassé les pompes. Ah, oui. On a eu les musiciens, ils ont cassé les pompes. Cassé les pompes. La lady vous a passé la main. Pour où? Non, attendez. Pour danser. Ça, par contre, je le fais. Non, c'est trop facile, ça. C'est sa zone de confort. Okay. C'est pas bien. Pour chanter, pour danser, non, ça ne le fait pas. Pour casser 50 pompes. Non, c'est facile. Divisé par deux, maintenant, ça fait 25. Wow. Vous allez tuer la personne. Vous partagez. Oui. OK. C'est moi qui vais décider. 2 minutes. Oh. En position. En squat. 2 minutes. En position comme ça. En position Warren. Non. C'est facile pour moi. On a dit 2 minutes. Nous, on va chanter. On va chronométrer pendant 2 minutes. Attends, c'est même pas un problème. Donc toi, tu te mets dans la position, okay. D'accord, et tu attendras qu'on te dise quand est-ce que tu as fini. Nous, on continue l'émission. L'émission va... Si. J'ai trop envie de suivre l'émission. Donc... Non, tu suiras dans l'émission. Mieux, tu es dans l'émission. T'inquiète. Tu participes à l'émission. T'inquiète. Tu n'as pas le choix, en fait, Warren, parce qu'il y a deux charmantes jeunes filles qui comptent sur toi, qui, avec toute leur famille, ont déposé entre tes mains leur avenir dans la danse. Et, wow. Et tu ne vas pas te désister devant tout ton peuple. Quand même, hein. Position. Wadat. Position où? Position Wadat. On baisse un peu. Position où? Oui, on tend les non, bras. Non, tu vas encore parce que c'est pas trop bien. Hein. Un bien peu plus droit encore devant. Derrière. Il monte à non, 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 non. Non. Voilà. La justesse des voilà. Horizontal, s'il te plaît. Voilà, horizontal. Les droits dressés, s'il te plaît. Dressés. Voilà. OK. Voilà. Les chances, nous, on retourne à notre place. Merci beaucoup. Non, non, non.
Merci, c'était trop chaud comme tu es là, ça me fait vraiment plaisir, franchement. Ça me fait plaisir. Bien, menteur ambulant, aujourd'hui on a un jeune artiste qui va aussi passer au gros défi. Ah ouais, c'est dur le studio, mais. Ah, on va tester. Ah, ok, je pense qu'il est là. Oui, aujourd'hui, vous savez, nous sommes le 2. Oui, le 2 juillet, effectivement. Nous sommes le 2 juillet 2021 et nous avons avec, dans notre rubrique bizarre un jeune esprit, il s'appelle Tesprit. Comment on appelle mal élevé en Mina? Dimakpala. Dimakpala, voilà. En fait, le gars, il prend les sandalettes usées pour faire des objets d'art. C'est un plasticien, mais il n'utilise pas les peintures et autres. Il prend que nos sandalettes usées, nos dimakpala là, et il irise ça en œuvre. Le gars, il est. Et c'est où toi? C'est on nous peut voir ici. Warren, elle est ici. Ah, tu es devant la télé. Mais tu suis là, tu suis. Tu es à l'écran de mon tour. Tu es vraiment dans l'émission. Franchement, t'es dans l'émission. Lady Shams, on a pause danse aujourd'hui. On redécouvre pour la deuxième fois nos les deux charmantes danseuses gagnantes du concours Summer Battle Kids. D'accord. Super. Voilà. Alors, ça va être tout à l'heure. Vous avez compris ce que ça va être cette émission aujourd'hui. Il y aura que du délire, hein, de gros défis. Les deux personnes, sinon trois. Trois personnes qui sont dispensées sont mon unique et idéal ici, Jerry Wisdom à Javon. Ben oui, je vous adore. Je vous donne un gros bisou à vous. On est le vendredi, donc participez. Suivez tout simplement. Merci. Merci. Il y a moi-même, aussi à la Mekodia. Et naturellement, notre. Tout va bien là? Attention là, on va décider de quand est-ce que tu vas descendre. Si tu fais ça, tu allonges. C'est mieux de rester comme ça tu te permets de descendre rapidement. Mais si tu bouges, tu allonges ton temps. Oui, voilà. Voilà. Et tu ne me donnes pas envie de passer à la prochaine rubrique. Je mettrai tout mon temps à rester à t'observer dans cette émission. Ouais. Oui, j'ai une question pour Warren. Oui. Warren, tu as combien de locks? Non, attends. Tu restes comme ça et tu réponds, hein. Faut pas te redresser. Position, Warren. Par contre, on peut le sauver. On peut les le sauver. Les doigts tendus, Warren. Hein? Tu restes toujours comme ça, tu bouges pas. Ah, tu ne secoues pas beaucoup la tête, non. Alors, tu lui poses 10 questions. Oh. Et doit répondre en moins de 20 secondes. Wow. Mais là, il faut que tu me parles les questions. Bon, OK. On y va. Hein. Warren, tu as combien de locks? 76 longs et 13 petits. Grosse ou mince? En fait, la question était un peu bizarre, mais tu non, je pose cette question. Grosse ou mince? Combien de paires de chaussures as-tu? 43. J'ai pas du mac plat. Grosse ou mince? Non, mais chaussures? Non. Grosse ou mince? En général. Je passe souvent des Nike, donc. Je parle pas de chaussures. Je parle pas de grosse ou mince. Grosse ou mince. En général. Grosse ou mince. De goût. Alors, quelle est la couleur de la veste de Wiz? Quelle est la couleur de la veste de Wiz? Café. C'est pas du café. Non, c'est ça, pas hein. Café. Hein. Oh, ah non, t'as pas bien répondu. Bon, quelle est la couleur de la veste d'Océane? Océane alors. Hé. Hey. Oh. Vert mou façon. Hein? Vert quoi? Vert mou. Bon, c'est du vert, ouais, c'est du vert. Mauvaise façon, hein. Mais c'est précisé, mais bravo. Hein. Combien de calebasses menteurs ambulants il a? Une seule. Non. Quelle est la couleur des cheveux de Lady Shams en ce moment? Noir. Ah ouais, comment? Comment tu as su? Tu regardes la femme déjà, hein? C'est là dans la semaine. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai. Une autre question. Dernière question. Donne-nous une race de chien. Une race de chien. Rot, j'ai un rot. Rot, voilà. Tu en as? Oui. Il s'appelle Zuga. La dernière question. La toute dernière. Warren, comment tu te sens actuellement? Très mal. Warren! Merci! C'est cool! Merci! Bravo! Il a eu chaud. Là. Voilà, je t'assure. Mais franchement, je suis trop fière de toi. Bravo, Warren. Cool. Bon, allez, maintenant, on va commencer
tellement cette émission. Merci. Si, on va commencer. Merci de nous envoyer tout plein de messages pour participer. On annonce comme ça les couleurs des vacances, vous avez compris, certainement. Et tout de suite, on va se reposer avec un peu de musique. On part pour Pause Voice. On retrouve Manu Lior et ses invités du jour. La contribution du cinéma vert pour le développement durable. C'est le thème du 4e Fessilum Forum des jeunes cinéastes engagés pour l'environnement qui se tiendra du 1er au 3 juillet 2021 à l'Institut français du Togo sous le haut patronage du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières et du ministre de la Culture et du Tourisme. Au programme, conférences-débats, masterclass, projection de films et plateau télé, qui repartira avec les 1000 dollars mis en jeu par le Fessilum et tous ses partenaires. Ensemble, mobilisons-nous pour sauver la planète. Marraine de cette édition, vénérée mère Adolé Goé Akoé, présidente de l'Association de la foi africaine. Fessilum, jusqu'au bout de la perfection. J'adore bien. Amen.
National, international, interplanétaire, intergalactique, intergénérationnel et universel. Inter tout ce que vous voulez. Madame. Oh, nya, 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 te pela. Amen. Oh, nya, 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 te pela. Amen. De minutes. Bon, franchement, les garçons, attention, les garçons, vous avez payé combien? Ben, on vous a donné l'émission. Et ça, vous allez, on va devoir doubler ou même tripler la mise. Ah ouais, Manoulia. Oui, déjà, il faut commencer par rappeler que Dave, il a une source d'inspiration inépuisable. Ouais. Pourquoi je le dis? Dave, 30 secondes, Olu Agbara. Adorami. Adorami. C'est la même personne. Je sais que le style, c'est Dave Dibless qui arrange et qui invite des voix sur ses arrangements. Parce que je me rappelle la première personne qui était là pour chanter, bah, c'était pas. Si.
Alors, Dave, le chanteur, maintenant, on écoute, parler. Dave, c'est parti. On part avec Adorame. Adorame. Qui a sa manière spéciale toujours de sortir des morceaux. Ouais. Il arrange, il compose, il crée et il invite une voix ou des voix sur son projet. David, bonjour. Bonjour. C'est comment? Oui, ça va super. Voilà. Aujourd'hui, tu nous viens avec le projet Amen. Déjà, on est avec Eric et on veut savoir pourquoi est-ce que tu as pris Eric pour ce projet. Pourquoi pas Océane? Pourquoi pas Louise? Justement, pas Océane, Océane, ça arrive. Le prochain, et la prochaine prod, c'est Océane. Olu Agbara. Voilà, donc, il faut dire que quand j'ai eu l'inspiration de Amen, j'ai en même temps pensé à Eric parce que j'ai pris la peine de bien connaître Eric. Depuis toujours, j'ai toujours admiré la voix d'Eric, le timbre vocal. Et j'ai la grâce d'avoir l'aptitude ou l'habilité de savoir qu'est-ce qui va avec quoi. Donc du coup, j'ai vu la prod, j'ai dit non, c'est Eric qu'il faut pour la prod. Et bonjour Eric. Oui, bonjour. Je chante depuis mon enfance. Ah ouais. C'est inné. Oui, c'est inné. C'est inné. Ouais. Est-ce que Eric a ses propres compositions? Oui, pas encore, mais c'est écrit. C'est déjà écrit, mais c'est pas. On regarde un peu la caméra. C'est déjà écrit, mais c'est pas encore sorti. Oui, c'est déjà écrit, c'est pas encore sorti. Sorti. Ouais. Ok. Déjà, moi, je profite pour dire que souvent dans la musique, on le dit pas assez souvent, on a toujours besoin de gros moyens pour sortir. David a fait le clip, vous allez voir le clip d'ici la fin de l'émission, c'est super, dans un paysage pas possible. Là, moi, je dis pour Eric spécialement, cette voix, toi qui nous regardes actuellement, si tu as les moyens, les gros moyens, les bons moyens qu'il faut, je t'en supplie, Eric est là, contacte la pause, on te met en contact avec Eric. Ouais. Parce que c'est la voix de Amen. Merci. Amen de David D. Bless. Merci. Merci beaucoup. Je ne vais plus rappeler. C'est un message qu'il est en train de donner justement pour exhorter une personne qui a les moyens. Ah, mais moi, je pensais que tu parlais à J. Bless. Non, je parlais directement à la caméra. Je parlais directement à la caméra. Je parlais directement. Il faut rappeler que David Dibless a fait de grandes scènes avec tous les artistes togolais, que ce soit dans le domaine du gospel, comme voilà, fan et tout. Ouais. Donc, c'est un gros, grand musicien togolais que nous avons avec nous. Arrête de parler, là, on va aller regarder la vidéo. C'est important tout de suite. On part avec cette belle vidéo, cette chanson.
chanson. Amen. Que vous avez eu ici, hein, en a cappella. Bon, c'est devenu carrément un concert. Un concert. Mais on vous montre ce que ça a donné en images. C'est parti. Grave, c'est vendredi. Et vendredi, ouais. Tout peut se passer. Hein. Mmh. Il peut se passer tout. Bon, c'est la même chose. C'est ça. En tout cas, merci d'être avec nous. On est toujours dans la pause. 12h20 à notre montre. Et merci à tous ceux qui sont connectés. Bah oui, c'est devine, ça. Devine, ils sont là. Coquine. Allez, bonjour, la pause. Bonjour. Merci beaucoup pour l'émission d'aujourd'hui. Non, vraiment, thank you, merci. Vous êtes waouh. Bah oui, on est waouh. Un coucou spécial à Lady Chams. Lady Chams. Merci beaucoup, monsieur Henri. C'est très, très sympa. Et monsieur Henri. Alors, Daniela Bocco. Océane et son mari, vous êtes trop mignons. C'est normal. Mais Manu, qu'est-ce qui ne va pas? Manu va bien. Quand il va trop bien, c'est vous ça. Vous voulez sentir? Manu, on veut te sentir. Non, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. C'est-à-dire que tu es trop inspiré. Non, non. On t'a fait quoi? C'est le chapeau. Est-ce qu'il a c'est eu... oui, c'est le chapeau. Est-ce qu'il y a un filtre d'amour dans cette émission? Le filtre d'amour. Coucou la pause. Coucou, salut. Je vous adore tous. Vous êtes merci. Avec votre sap là. Yeah. C'est important. Surtout mon chouchou. Ah, Abigail, I love you too. I love you very, very beaucoup. Oh, too much. Very much. Salut la pause. Salut. Je vous kiffe, c'est juste passion. Merci beaucoup, Gis. Thank you. Alors, coucou la pause. Coucou. Rosine Afanou depuis Bagida, juste merci. Pour vous passer mon bonjour. Merci, c'est très gentil. Bonjour. La vie. Coquine. Comment allez-vous, les gars? Très super bien. Je veux voir Thierry reproduire les mêmes pompes avec sa femme au dos. Et Nyaya Mingbasso Bapio. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas fait le droit pour rien. Ah, enfin, je n'ai pas envisagé de faire le droit. Ok, cool. Devant moi. Amen. Yesu. On va prêcher pour vous, s'il vous plaît. Hein? Enlevez les yeux de la vie des pauvres enfants de Dieu, s'il vous plaît. Hein? La Bible déclare. Maman, pasteur. Dans son livre, mais il faut dire quoi dire la parole. Il faut dire la parole. Qu'on a boudoum. Bon, allez, et si on passait de la musique, de la chanson à la danse. Lady Chams. Est-ce que vous nous sentez, madame? Ouais. Okay. Okay. Mais pas encore. J'adore. Que les danseuses viennent d'abord. Il faut que les danseuses arrivent d'abord. Oui. Bon, allez, on part avec le jingle.
danse, danse. Et juste après, on retrouve nos deux prunes. Pépite. Est-ce qu'on peut avoir le fond sonore, s'il vous plaît? Et wow. Petit cola. Aïe. Don't act like you forgot. I call a shot, shot, shot. Like blah, blah, blah. Y'all should know me well enough. But I am a man. But I am. But I am. But I am. But I am a man. Arrêtez, maman. Oh, oh. Et moi, pour redémarrer. Moi, je suis rentrée en studio pour chanter une chanson difficile comme ça. Vous arrêtez de danser. Hein? C'est normal, ça? C'est... Vous avez fait trop court aujourd'hui. Pourquoi, les mais filles? Mais oui, bravo. Ouais. Bravo, bravo. Mais Rihanna était au rendez-vous. Hein? Bah, elle allez, a je tout vous, suivi. Je vous donne des micros. Tenez. Voilà. Il y a un micro pour vous, madame, mais un autre merci, micro merci. Pour vous. Bien. Là, enfin, là, je vous sens. Mm-hmm. Ah, ouais. Elles sont arrivées. Hein. Alors, elles étaient là en milieu de semaine et aujourd'hui, on les retrouve. La dernière fois, on n'a pas vraiment eu le temps de vous présenter ces magnifiques danseuses. Pas plus danseuses que moi. Oui. Hein. Merci beaucoup. N'est-ce pas, l'Union nationale? C'est parce que les boîtes sont fermées. Rendez grâce à Dieu. Sinon, hein? On aurait sorti une école de danse. Mais je dis ça, je vais contredire. Merci beaucoup. Personne. Qui peut la contredire? Ce n'est pas moi. Non. Personne. Azala Pouquet. Manon, c'est quoi l'inspiration? C'est la coupe qui allait commencer comme ça. Bon, allez, les filles, on voulait juste vous effrayer un tout petit peu. Ouais, sachez que nous avons deux pieds gauches par ici. On n'est pas de bons danseurs du tout. Mais par contre, un défi pour qui? Pour elle? Si vous savez danser, c'est que vous savez chanter aussi. N'est-ce pas? Mais par contre, est-ce qu'on vous connaît chanteuse? C'est ce qu'on va découvrir là, tout de suite. Ah, OK. Bien, alors, on va vous lancer un gros défi. Vous allez danser ce que nous allez chanter ce que nous voulons. Oh, il y a du défi, non, oui. Le temps va décoller. Bien, je veux bien qu'on parte avec une belle chanson d'Omar Bi. Fouillez le répertoire d'Omar Bi ici. C'est la partie où tu entends bang. Piochez une chanson. Bang, bang, état-major. Bien. Extra. Omar Bi. Quelle chanson d'Omar Bi choisissez? Ma préférée. C'est facile, ma préférée. On a tous connu ma préférée. Je ne connais pas Omar Bi. Marie m'a brisé le cœur. Si tu ne connais pas Omar Bi, tu connais Centrinos. Bon. Oui. Non, on un morceau de Centri. On part sur un morceau de Centrinos. Moi, je passe sur Omar Bi. Oui. Ok, Omar Bi, donc on commence. Je ne connais pas très bien la chanson. On va s'accompagner, ma chère. Pas tellement. Laquelle mais je vais me débrouiller quand même. D'accord. Quelle chanson? Ma préférée. Ah, okay. Manulia. De danseuse à chanteuse, s'il vous plaît. Oh.
Marie Spotel, que j'ai tant cherché. Ma moitié, ma préférée. Ils ont une pour la vie. Fantastésie. Quand tu l'envers et ma raison de vivre. Give me to go forever. Mais c'est là où même la chanson devient plus intéressante. Non, continue. C'est là où dans la vidéo de Marie, j'entends dire « Go get this girl, go to school ». C'est complexe. Hein. Marie, Spotter. Marie, on part avec son trinos. Attendez, quoi. Je connais pas bien les paroles. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Tu sais, je vais t'aider. La partie où tu connais pas bien les paroles, tu danses là-bas. Mais c'est tu combles avec la danse. Toutes les parties, quoi. Ah non, tu fais pas ça. OK. Laquelle des chansons de Santinos? Fiançailles. OK, fiançailles. Ouais. Elle a choisi fiançailles. Rappelez-moi les paroles. Fiançailles. Fiançailles. Oui, fiançailles. Les paroles. Ah, oui, mais... C'est ça, je vais lui demander d'être ma fiancée. On y va. Attendez quoi. Allez, on y va. J'ai une grande chance de la voir. Ce soir, je vais lui demander ma fiancée. Elle est la seule qui me comprend, la seule qui me connaît vraiment. Je suis enjaillé. Elles sont superbes. Mais cool. Bon, allez, maintenant les filles, on va vous découvrir réellement. Qui est-ce qu'on a là? Je vous laisse vous présenter. Vous avez Nija. Donc on regarde la caméra. Nija. Ninja. Ninja. Ouais. Ninja. 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 Bah ninja. Ah, pas ninja. Non. Ah, non, okay. Même pas. Ninja. Ah, okay. Ninja. Et à côté Marine. Marine. Voilà. Bien. Lily Shams, où est-ce que tu les as trouvés? Et ça, on ne trouve pas trop dans les rues de Lomé. Ah, oui. Caché, on va sortir ça. Je les ai trouvés lors du concours Summer Battle Kids, yeah, organisé par Carmen Dance, mmh, okay, le 27 juin passé. Okay. Et truc surprenant, elles étaient au départ 8, et après qu'elles aient presté, les autres ont démissionné. Oh. Elles toutes. Oui. Il n'y a pas d'opposition dans le pays. Eh bien, dis donc. C'est vraiment... Ça, c'était vraiment super. Bonjour Marine et Nija. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Bon, pourquoi avoir choisi la danse? Belle question. Celle-là, elle va pour Marie. Marie, surtout. Ouais. Oui, si. Pourquoi? Disons que je n'ai pas choisi la danse parce qu'au départ, ça m'intéressait tellement. C'est parce que pendant un été, j'ai décidé de perdre du poids. Et j'ai vu de la danse. Mm-hmm. La K-pop, ouais. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ouais, et du coup, j'ai vu qu'il y avait des danses du coup, dans la K-pop. Et mm-hmm, j'ai essayé de les reproduire. La danse me plaisait vraiment. Et j'ai décidé de me lancer dans le hip-hop. Okay. Mais tu as parlé de quelque chose, là. Tu peux nous faire une petite démo de K-pop, là? Jack, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît ça. Jack, comment? Je ne sais pas. C'est le K-pop. Oui, c'est du coup de la pop coréenne. Uh-huh. Et ils chantent et dansent en même temps. Ah ouais? Let's go. Du coup, tu vas savoir faire, chanter aussi faire une si petite tu chantes démo? Et tu danses. Oui, mais je suis stressée. Bah, c'est pas grave. On est stressée. On a voir ça. Lourde, hein, attention. Éteignez-moi la caméra. Allez, on y va. On démontre un peu. Montre-nous. Juste un peu. 10 secondes. Ok. J'ai mis un cover danse. Oui, il n'y a pas de problème. Tu fais à toi la piste. Il faut même gifler les gens si tu veux. On vient au milieu de la piste. Je te mets ici, d'accord, en face de ce joli tableau qu'on va présenter tout à l'heure, ainsi que son auteur. Merci infiniment. Yeah. Yannick, je vais te parler à Yannick. Yannick, il nous stresse aussi avec les caméras. On est déjà même stressé avec les caméras. Tu es dispensé même pour l'émission d'aujourd'hui. Bien. Donc maintenant, on fait la démonstration. Je vais prendre le micro. Comme ça, quand tu chantes,
Je pourrais l'avoir. Chanter? Oui, mais tu as dit, il faut chanter. Mais non, chanter, tu chantes, tu danses, voilà, les mouvements. Non, c'est pas mal. D'accord, d'accord. Vas-y, tu pas okay, oui, d'accord. Ça va être rapide. De toute ouais, façon, si tu, c'est en coréen, si tu ouais, mens, nous, on ne se pensait pas. Hit you with a tu-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 
Voilà. Mais c'est une idée ingénieuse, c'est extraordinaire. Justement. Parce que quand vous sortez, vous allez, il y a plein de dépotoirs dans la ville. Et oui. Vous remarquez qu'il y a plein de savates, de dimapla qui traînent. Et je n'imagine pas le travail derrière pour avoir des tableaux comme ça. Un beau tableau. Tout est fait à base de dimapla. Oui. Et s'il vous plaît, mesdames et messieurs, assis à côté de Menteur Ambulant, notre jeune artiste ici présent. Bon, Tesprit, quand on introduit comme ça, le couple ici présent, on a une maison à Miami. Oui. On aime les œuvres d'art. Justement. Donc, quand pour toi, c'est gratuit, voilà. Le tableau restera. C'est tout. Hein? Ce qui veut dire que vous allez mettre, vous allez couvrir notre maison de tableaux. Mais le tableau étant sacré, vous l'avez touché, vous le payez. On l'a forcé. Mais on a touché, on a juste testé la texture du tableau. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? On était en train d'admirer l'œuvre de notre jeune artiste. Tesprit. Montez en bilan. Ouais. Tesprit. C'est quoi son esprit? Tester l'esprit, là. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet 2021. Ça, c'est normal. Et c'est un vendredi en PEV, en fait, les Kofi Afi. En pays Kabyen, c'est les Koumé, alors Koumé à Balo. Mais vous savez, sur le calendrier grégorien, nous avons les Martiniens. Mais pour ce jour, aujourd'hui, on ne va pas faire d'acrostiche parce que normalement, on devait tomber sur Aného, la grande ville d'Aného. Mais pour Aného, il faut que Menteur, on l'invite à Aného pour circuler dans la ville d'Aného. Et bien sûr, pas avec ma moto sans carburant. Non. Et que je puisse bien parler de la ville d'Aného. Mmh. Donc, rendez-vous lundi matin. Tout le week-end, je serai à Aného. Donc, voilà. Océan, tu viens de donner tout à l'heure la différence entre une toile et un tableau. Une toile, c'est le mélange de plusieurs peintures de couleurs. C'est un mélange de plusieurs peintures pour, en fait, ériger une œuvre d'art sur un tableau. Là, nous avons un tableau parce qu'on n'a pas utilisé pas de peinture. En fait, de peinture. Ok. C'est ça la différence. Ah ouais. C'est ok, top, top, top. Ah, c'était important. Alors, ça, sinon, on va nous vendre la camelote. Nous sommes avec Tesprit. Oui, Tesprit. On dit souvent aux Zambiennais, la valeur n'attend pas le nombre des années. L'homme tout petit, grignotait sur des petits papiers et autres, arrivé à un certain moment de sa vie, il se dit qu'est-ce qu'il peut faire pour l'humanité. Et là, il a vu que l'environnement est en train d'être dégradé, la couche d'ozone est en train d'être trônée tous les jours. Et il a dit... On jette tout le temps nos objets, les plastiques, partout. Qu'est-ce que lui peut faire? C'est de recycler. Recycler pour en faire quoi? Des joyaux. Ah. Et depuis là, l'homme ne fait que faire des tableaux avec des dimapla, des sandales. Il s'appelle Folie Kossi Gérard Tété. Il a d'ailleurs exposé la dernière fois à Onomo. Onomo Hotel. Ah oui, vous savez, l'Institut français, chaque 3 mois, présente le calendrier et sur l'agenda du calendrier du monsieur français, c'est son œuvre qui a été mise en page de garde. Ça, ça s'acclame. Alors, il y a beaucoup d'artistes, mais c'est son œuvre qui a été mise sur. Et puis, il a exposé aussi les 20 histoires inconnues à l'Institut Goethe. C'est un projet en cours. Ouais. OK. Ah, et aussi. Oui, vas-y. Oui, c'est un projet en cours. Et en fait, c'est un dossier que j'ai déposé, donc le dossier a été validé. Donc pour le moment, c'est un truc dans l'ombre, quoi. Dans l'ombre, un truc assez. Ah, mais non, mais c'est un menteur en bilan. Ah, celui, on y a d'autres, mais là, moi, je dis tout. Malheureusement, nous, on a entendu parler de ces 85%. Ça va, alors, il part en résidence aussi en 2022 à Bobo-Dioulasso. Et après, il viendra chez moi à Menteur. Esprit, welcome. Oui, Zon Kaka. Alors, dis-nous, où est-ce que tu trouves ces sandales-là pour ériger ces œuvres inédites? D'abord, Lou, d'où vient l'idée, prendre les sandalettes-là pour faire des tableaux? Oui, en fait, si je peux le dire, et mon nom d'artiste, c'est Esprit. Esprit. Je peux le dire que c'est un esprit qui me l'a révélé.
Donc du coup... entité au Béniel. Vous allez constater que les œuvres ont été réalisées avec les Dimakpla. Oui. C'est dans notre langue, c'est dans ma langue maternelle, le Minang. Mais si on veut le traduire en français, ce qui veut dire enfant sans éducation. Mm-hmm. Donc du coup, je me promène sur les décharges de la ville pour récupérer ces Dimakpla abandonnés dans la rue, mm-hmm. pour réaliser ces enfants qui ont été aussi abandonnés dans la rue, qui sont des enfants de la rue. Mm-hmm. Donc c'est la raison pour laquelle et mes toiles sont spécialement des portraits de ces enfants de la rue. Ok. Ouais. Wow. Ça m'a touché. Hein? Wow. On n'aurait pas pensé à ça. Si. Wow. Absolument pas. Ouais. C'est trop wow. trop wow. 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 Le tableau devant vous a pour titre Dimakpla 2, parce que le 1 a été exposé à Accra, là où il y a les plein d'enfants qui ont aussi attrapé les boîtes de conserve en main. Oui. Ça, c'est Dimakpla 2. Donc, vous allez regarder ces enfants. Ce sont des enfants de la rue que j'ai représentés. Et oui. Donc, ouais. Actuellement, ces œuvres sont exposées à Accra. Dimakpla 1, toutes ces œuvres sont à Accra. Et il travaille sur Dimakpla 2 et nous a ramené de façon exclusive la deuxième collection Dimakpla 2. Magnifique. Ouais. Ça, c'est trop touchant. Tu es trop bon. Pourquoi avoir décidé justement c'est la question que j'avais pour consacrer à ce gros phénomène d'enfants de la rue. Si je peux le dire, moi-même, j'ai eu une enfance un peu difficile. Uh-huh. Donc, pour aider ces enfants de la rue, comme pour le moment, je n'ai pas les moyens pour les aider, uh-huh. mais le bon Dieu m'a donné un talent uh-huh. qui est là. Donc, c'est pour... Et je réalise mes œuvres uh-huh. pour pouvoir ouvrir les yeux à des personnes uh-huh. pour tourner un regard envers ces enfants uh-huh. de la rue. Wow. Wow. Pour pouvoir les venir en aide. Un numéro pour te contacter parce qu'il y a des gens qui veulent ça à la maison. C'est vrai. Ouais, mon numéro c'est le 90. 90. 29. 29. 18. 18. 43. 43. 90, 29, 18, 43. 90, 29, 18, 43. Alors, moi je ne demande pas que vous achetiez ce tableau juste à titre de décoration, mais surtout pour soutenir une action voilà. qui est totalement louable. Porter un regard sur tous ces enfants qui se retrouvent en condition de rue, qui n'ont personne et qui aujourd'hui entraînent, vont et viennent, mais qui méritent réellement de vivre et d'être secourus. Mais également porter un regard sur le travail de ce grand artiste que nous avons d'esprit. Dans cette émission aujourd'hui. Et c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Vous êtes ici chez vous, le tableau reste ici chez lui, mais vous êtes ici chez vous, c'est quand vous voulez. Ouais. Sincèrement. Quand vous voulez. Si tu le permets, c'est pour vous dire aussi que ce tableau que vous avez là peut faire 400 ans sans être abîmé. Absolument. Oui, merci infiniment. Et merci. Merci beaucoup. Le 90 29 18 43 pour contacter notre artiste du jour. Testi. S'il vous plaît. Et nous allons finir cette émission avec la vidéo de ceux qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. 15 secondes. Oui. Un dernier mot et vous allez remarquer sur la toile. Et ces enfants n'ont pas de visage. Oui. En fait, vous devez me demander pourquoi. Si je peux dire, c'est un petit frère de menteur ambulant que j'ai reproduit. Oui. Personne ne le sait. Parce que le visage vierge signifie plusieurs personnes à la fois. Monde, peut-être oui. c'est mon petit frère ou bien c'est un petit frère d'une personne inconnue. Ouais. Personne ne le sait. Concerné. Donc, c'est à vous d'être devant le tableau et ressentir ce que le petit est en train de ressentir. Peut-être le petit, il est content ou bien il est triste. C'est à vous de mettre à la place... du petit. Merci d'esprit, merci beaucoup. On va se dire à lundi, on vous abandonne entre les mains de ceux qui célèbrent la vie aujourd'hui et clairement cette émission, je vous dis la vie.
que tu as de gloire en gloire. La pause.